Saint Bernard, reçu la bénédiction du Seigneur. Il a trouvé grâce devant Dieu son Sauveur, car il appartient à la race de ceux qui cherchent Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Bernard de Clairvaux. Ce qu'on pourra faire peut-être en nous tournant vers Dieu, nous allons lui demander de nous donner cette grâce d'avoir un dévouement spécial envers lui, envers le Seigneur notre Créateur. Commençons par reconnaître nos manquements, nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour son Église, pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous, par son intercession, la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des fils et des filles de la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses deux fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Élimélec, le mari de Noémie, mourut. Et Noémie resta seule avec ses deux fils, Mahlon et Kilion. Ceux-ci épousèrent deux Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Mahlon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle. Car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta. Mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi. Car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés.
Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que le prophète. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je trouve intéressante la première lecture tirée du livre de Ruth, parce que l'histoire se passe encore durant le temps des juges. Mais là, nous sommes sortis du livre des juges. Je la trouve intéressante parce que pour moi, c'est comme une bouffée d'air frais. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des habitudes ancrées, je dirais, dans les manières humaines de voir les choses. Notamment, c'était pratiquement impossible de penser à des mariages mixtes, surtout dans le peuple hébraïque, qu'un juif ou une juive épouse facilement une personne d'un autre peuple ou de notre culture. Mais voilà comment l'histoire se déroule. Voilà qu'un homme, un juif évidemment, qui habitait Bethléem à cause de la famine qui sévissait dans le pays, va émigrer dans la région païenne, la région étrangère de Moab. Il part avec sa femme, avec ses deux enfants. Il y va, il commence à y vivre. Il a passé quelques années, et après, il meurt dans cette terre étrangère. Il laisse sa femme veuve avec ses deux fils jeunes. Quelques années après, évidemment, les fils vont grandir, deviennent des adultes, et ils sentent le besoin de s'épouser, d'épouser des femmes. Ils vont épouser des femmes étrangères, donc de Moabites, des gens qui habitent Moab. Malheureusement, quelques années après, les deux fils meurent. C'est que leur mère reste avec ses belles filles, les deux belles filles, les Moabites. La mère apprend qu'à Bethléem, dans son pays, eh bien, la belle vie a repris, il n'y a plus de famine. C'est l'abondance. Alors elle s'est dit, non, je veux retourner au pays de mes ancêtres. Une de ses belles filles préfère rester dans son pays, mais Ruth, qui est justement une des belles filles, s'est dit, non, elle était tellement attachée à sa belle-mère, elle s'est dit, non, nous allons partir ensemble. Elle lui dit, mais non, reste dans ton pays et puis tu peux vivre ici. Elle s'est dit, non, je vais te suivre, ton peuple sera le mien, ton Dieu sera le mien. C'est ainsi que Ruth va quitter sa région de Moab, va suivre sa belle-mère pour aller en Israël, exactement à Bethléem. Et l'histoire se poursuit plus tard, parce qu'on l'a terminé un peu tôt aujourd'hui. Plus tard dans l'histoire, Ruth va épouser Boaz.
qui est un juif qui travaillait là et à qui appartenait, n'est-ce pas, une grande vigne. Et voilà que, dans l'histoire, Ruth et Boaz vont engendrer, en fait, Obed. Et Obed sera considéré comme un des ancêtres du roi David. Comme pour dire, le Seigneur fait une trame dans l'histoire du salut. Il ouvre déjà une brèche pour que les païens, ce qu'on appelle les païens, les gentils, soient intégrés dans son dessein de salut. Donc, dans la généalogie qui va conduire à David, David qui est l'ancêtre de Jésus, eh bien, il y a déjà des païens, des ancêtres qui sont venus d'ailleurs pour justement entrer dans la lignée du peuple élu qui va conduire jusqu'au Messie. Alors moi, je me dis, c'est un clin d'œil que le Seigneur nous fait pour dire, en fait, lui, il a commencé depuis longtemps déjà dans la préparation de l'arrivée de son fils à rassembler les gentils et le peuple juif. Et on sait que ce rassemblement-là va éclater au plus grand jour à Pentecôte. Là, ce sont toutes les nations de la terre qui vont chanter la gloire de Dieu dans plusieurs langues et Dieu va réaliser son dessein universel de salut. Pour dire, en fait, vous et moi, nous sommes invités à nous ouvrir davantage. Les mariages mixtes, les mariages de couleurs différentes, de cultures différentes, eh bien, ça fait partie aussi du dessein de Dieu. En fait, ce qui doit primer, c'est l'amour. Alors, quand deux personnes s'aiment, eh bien, cela dépasse les différences, justement parce que l'amour rassemble, l'amour unit, l'amour fait un de deux personnes. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'offrir au Seigneur en pensant à plusieurs couples aujourd'hui, en pensant à plusieurs personnes que nous connaissons, à tous les gens qui se marient, eh bien, qui s'appuient sur l'amour et qu'ils soient des témoins de l'universalité de Dieu, des témoins du dessein de Dieu de salut qui est toujours ouvert à toutes les nations de la terre. Dans l'Évangile, c'est encore les pharisiens qui veulent éprouver Jésus. Cette fois-ci, c'est un maître de la loi qui vient poser la question de savoir quel est le grand commandement. C'est parce qu'au temps de Jésus, eh bien, il y avait comme une confusion, il y avait tellement de prescriptions dans la loi, hein, des centaines, il y en a qui disent qu'en fait exactement c'était autour de 365 prescriptions auxquelles chaque juif était tenu, donc en détail, chaque juif fallait faire attention pour suivre ces prescriptions-là. Alors, d'où la question que se posaient et certains maîtres, certains rabbis et certaines écoles, en fait dans toutes ces prescriptions-là, quel est vraiment le plus grand commandement? C'est ainsi qu'on voulait écouter aussi Jésus. Qu'est-ce qu'il en pensait? Parce que ce n'était pas une réponse facile à répondre à l'époque. Alors Jésus dit calmement, il dit, mais non, le plus grand c'est tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est ça, le premier commandement. Tout de suite, il ajoute comme pour dire, c'est pas tout là. Quand tu fais celui-là, il y a un autre qui s'ensuit, qui s'enchaîne. C'est lequel? Tu aimes le prochain comme toi-même. Il dit, voilà, ça c'est le plus grand commandement, ces deux commandements-là, eh bien, c'est le fondement de la loi et puis des prophètes. En d'autres termes, c'est ce qui fonde la parole de Dieu, c'est ce qui fonde la Bible. Il me semble que c'est une belle invitation que le Seigneur nous propose ce matin, en ce vendredi, où il nous invite en fait à nous poser la question, où en sommes-nous dans notre amour pour Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment au premier plan? Est-ce que quand nous faisons nos propres projets, le projet de vie, même des plans de la journée, est-ce que nous nous inspirons de Dieu, nous mettons Dieu en premier? Est-ce que nous voulons nous référer à la parole de Dieu avant de prendre une décision? Ce sont des questions qu'on peut se poser humblement, simplement. Et même, est-ce que nous faisons un effort pour aimer le prochain comme nous-mêmes? Est-ce que nous faisons vraiment attention aux autres? Et cela, c'est continuellement dans notre vie. Et quand on fait ces deux, on met en application ces deux commandements-là, on est vraiment proche de Dieu. On est en train d'accomplir la parole de Dieu. Et il me semble, c'est ce que Saint Bernard a essayé de faire durant sa vie qu'on connaît. Saint Bernard, à 21 ans, il sentait cet attrait fort de se donner à Dieu, d'entrer dans la vie monastique. Alors lui qui aimait à Dijon, alors dans ce coin-là, il y avait le monastère de Cîteaux quand il est venu jeune adulte. Et on dit que quand il est entré au monastère, il n'est pas entré seul.
Il est venu avec sa famille, quelques membres de sa famille, quelques amis. Ils étaient une trentaine entrés ensemble au monastère de Cîteaux parce qu'il avait déjà une influence telle que les gens le suivaient. C'était un leader, si vous voulez. Il entre au monastère de Cîteaux qui avait déjà commencé à retravailler la règle de Saint Benoît et lui va s'y impliquer. Il sera parmi les grands rénovateurs, n'est-ce pas, de la règle de Saint Benoît, donc les cisterciens qui viennent de Bénédictins. Alors, ce qu'il va faire, en fait, il va fonder son propre monastère à Clairvaux. Et on raconte qu'à partir de Clairvaux, il va en fonder une soixantaine dans toute l'Europe. C'est extraordinaire. Alors, il est devenu même docteur de l'Église à cause de son enseignement. Une chose qu'on peut retenir de lui qui vient de la charité dont Jésus nous parle aujourd'hui, pour lui, il disait en fait, dans chaque moine, nous nous dirons aujourd'hui dans chaque baptisé, il y a toujours ce qu'il appelait « memoria Dei », la mémoire de Dieu, la connaissance de Dieu. Il dit « cette connaissance de Dieu vient de la parole, vient de nos méditations ». Mais il dit « ça ne doit pas s'arrêter là, il faut que la memoria Dei passe à la presencia Dei », c'est-à-dire que ça passe à la présence de Dieu. Comment ça va passer ? Dit-il, il dit « cette mémoire, cette connaissance de Dieu doit s'appliquer dans la charité de tous les jours ». Alors à ce moment-là, on rend Dieu présent dans nos actes, dans nos attitudes, dans nos paroles. Voilà comment il faudrait agir, en fait, par l'intercession de Bernard, par son exemple, suivre ce qu'il nous propose aujourd'hui. C'est vrai que nous avons besoin de lire la Bible, la parole de Dieu, la méditer, la ressasser en nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette parole qui reste en nous doit sortir pour la rendre présente dans, par la charité, avec, même si c'est pénible, mais ça va être une charité pénible, une charité joyeuse aussi, parce que ça donne, n'est-ce pas, hein, ça rend présent Dieu et ça relève le monde autour de nous. Alors, on va se tourner autour du, vers le Seigneur aujourd'hui, avec par l'intercession de Saint Bernard. Nous allons demander qu'il nous donne ce goût-là de la parole de Dieu pour qu'elle soit finalisée. Et lui qui aimait tellement la Vierge, eh bien, elle nous donne comme modèle la Vierge qu'on doit suivre, elle qui faisait la volonté de Dieu et qui mettait en application la parole de Dieu. Voilà la grâce qu'on va demander aujourd'hui. Pas seulement écouter la parole de Dieu, pas seulement connaître le commandement de Dieu, mais les garder en nous pour les mettre en pratique. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Un baiser pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur Tout-Puissant, le sacrement de l'unité et de la paix, en ce jour où nous fêtons Saint Bernard, lui qui travailla de toutes ses forces, par la parole et par l'action, à favoriser la paix de ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût de bien que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Bernard et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde. Que commençons Jésus-Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous recevons la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. Amen. Aujourd'hui, Saint Bernard nous invite à la vie de contemplation. Demandons cette grâce-là de nous dévouer complètement à Dieu durant le quotidien. Dit le Seigneur, vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous recevrez le centuple et vous aurez en héritage la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous profiter de cette nourriture que nous avons reçue en la fête de Saint Bernard. Encouragés par ses exemples et guidés par ses conseils, nous serons saisis d'amour pour ton Verbe incarné, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.